Salut à tous, c'est Psychopathe pour une vidéo explicative de la donne d'interface ROT-UI qui reprend les designs de Diablo 2. En ceci que vous avez la boule de mana en bas à droite de votre écran, ici, et la boule de vie en bas à gauche de votre écran, ici. Donc vous avez les barres de sort qui sont au milieu. Vous avez la carte qui est sur le côté droit en haut, donc une carte qui tourne sur elle-même, qui est vraiment sympa, avec tous les add-ons associés. Donc il faut savoir que c'est une interface avec un pack d'add-ons. Donc il y a plusieurs add-ons à l'intérieur. On peut quand même rajouter Recount, DBM, Atlas Loop, ce que vous voulez, ça n'interfère en rien. Hein. Voilà. Sinon au niveau des accès, avec votre souris, vous mettez votre souris en haut de votre écran et vous avez accès à votre personnage et tout ce qui va avec. Pareil pour les sacs, vous mettez votre souris en bas à droite et vous faites pop tous les sacs. Donc il faut vraiment passer votre souris dessus pour les faire pop. Voilà. Donc là je suis en train de viser donc le mannequin. Vous avez sa vie qui est ici, hein, donc 100%. Et vous remarquerez que je n'ai pas de portrait. Étant donné que mon portrait, c'est moi-même. Ici, psychopathe, avec tous les dots que j'ai sur moi, ou buff, ou quoi que ce soit. Donc là je vise le mannequin. Pareil, hein, ma barre d'éclipse qui est ici. Donc vous allez voir, c'est assez marrant parce que quand on est en groupe de donjons, ou même les pets, c'est affiché en 3D. En raid, j'ai encore jamais testé. Hein. Donc vous allez voir, on va faire un petit peu de combat. Hop! Vous voyez, mon arbre, mes arbres là, ils sont affichés sur la gauche de l'écran. Donc le principe reste le même. Hein. Vous voyez la barre de cast, feu stellaire qui s'affiche, et tous les dots ici. Enfin, donc après, vous pouvez rajouter un add-on pour voir mieux les dots, mais normalement, ça devrait être suffisant. Voilà, donc là vous voyez ce que ça donne un petit peu en combat, la mana qui baisse ici. Donc voilà, là je vous ai montré un petit peu ce que ça donne en combat. Vous avez les canaux commerce hein, qui sont en bas à gauche. Par contre ça n'affiche pas commerce, défense locale, générale, etc. Ça affiche par lettres ou chiffres. Donc canal 1, 2, 3, 4. Et pour le canal guild ce sera juste un G comme vous pouvez voir. Ah, d'ailleurs ça dit pas grand chose, ça dit que de la merde sur le canal Guild, tiens. Voilà, donc voilà pour la donne ROT-UI. Tchuss.